Je m'appelle Tamara. Quoi ? On avait rendez-vous pour une interview. Je suis journaliste. On devait se voir après le concert, mais... on n'a qu'à faire ça maintenant. Toutes les infos dont j'ai besoin sont juste là. Les gens n'ont pas une bonne mémoire. Ils sont pas fiables. Les gens mentent. Mmh. À eux-mêmes et aussi aux autres. Ouais. Les gens n'en valent pas la peine. C'est dommage que les gens soient aussi inférieurs à toi. Ouais, c'est clair. Allez, on va jusqu'au bout, tous les deux. Non, mon amour, j'en peux plus. Allez, je veux pas que tu fasses comme toutes ces femmes qui se marient, qui deviennent énormes et terminées, ciao. Non mais qu'est-ce qui te prend? C'est horrible ce que tu viens de dire. Quoi? C'était une blague, mon amour. C'est moi que tu veux ou tu préfères une femme trophée comme la brutie de Scaglia? Toi et moi, on se connaît depuis plus de 20 ans, Riggs. Mais tu m'as fait mal. Et j'ai pas envie de jouer à ça, de faire semblant qu'on est amis. Et toi qui fais comme si tu voulais Molly. M'aider dans mon boulot. Molly. Mais comment tu peux... Je veux dire, Molly. À quoi on joue? Qu'est-ce Molly. Que quoi, Riggs, quoi, hein? Qu'est-ce que tu dois absolument Molly. Dire? La viande. Elle est foutue. La viande est foutue. Est-ce que tu vas changer de nom? Su apellido es Ferreras, pero parece inglés. Nuestro apellido es English, pero parezco mexicana. Mejor dejo las cosas tan confusas como ya están. Tu me rappelles tellement ta mère. Je ne suis pas elle. Pas question que je sois ton esclave comme elle l'était. Parce que tu sais quoi? C'est ça qui lui a enlevé l'envie de vivre. Je t'interdis de parler de ta mère comme ça. Et Isaac, c'est pareil, il est à bout. Tu lui as déjà dit merci? T'as déjà dit merci à maman? Dean Ambrose s'est battu contre Samoa Joe pour le championnat de la WWE. Et Samoa Joe allait lui envoyer un muscle buster. Mais Ambrose lui a fait un crossface chicken wing. Alors Samoa l'a retourné et a fait sa prise de soumission finale, la Coquina Clutch. Tu sais, je voudrais te poser une question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Quelque chose que je ne sais pas. Non, non, je t'assure, rien de spécial. J'ai vu une tache qui pourrait être une tache de sang dans l'ancienne cabane du forgeron. Sinon, elle a quel goût, la liberté? Je suis effrayée, un peu désorientée, fatiguée aussi. Mais je me sens vivante, Hazel. Je ne veux plus jamais qu'on soit séparés.